Et salut tout le monde, c'est le Moustique et on se retrouve cet après-midi pour un petit événement spécial. Attention, hein, comme dans le titre, c'est spoil par le titre. J'ai obtenu aujourd'hui un petit nouveau, voilà. J'ai, on va dire, reçu de l'équipement pour ma voiture. Donc, je vous présente un levier de vitesse. Et le UG923, voilà, de Logitech, pour aller avec Forza. Coucou Pyro, comment ça va? Voilà, donc je m'étais dit, dès que je reçois, je fais un live, je l'ouvre avec vous. Voilà, on regarde ce qu'il y a dedans ensemble. Alors on va commencer par le plus petit. On va commencer par le plus petit qui est tout simplement le levier de vitesse. Alors levier de vitesse. Donc hein, je vous montre, voilà, enfin je vous montre. Ça va être vite, c'est vite dit quoi, je vous montre. Donc là, j'ai ouvert la boîte, voilà, j'ouvre la boîte, dedans, il y a le petit levier de vitesse. Voilà, comment vas-tu Pyro? Bienvenue sur le live. Un volant pour moi. Non. C'est pour moi. Avec les instructions pour brancher. Donc, voilà, dans la boîte, il n'y a rien, il y a juste le levier de vitesse. Qu'on va s'empresser de déballer tout de suite. Oh. Oh. Alors, pourquoi le G923 et pas un autre volant, étant donné que le G923 sur Internet est critiqué à mort, comme quoi, oui, machin, retard de technologie, c'est la même que le G27, patati patata, parce que je m'en fous. Voilà, moi en général, plus une critique est mauvaise sur un produit, plus ça me donne envie de le prendre pour le tester moi-même. Alors, voyons voir. Dans un premier temps, donc, nous avons le levier de vitesse. Donc là, je vais retirer ce truc-là. Là. Retirer, ou je vais peut-être pas le retirer, je vais le garder, je vais le maintenir. Mais du coup, ça, la main serrée, ça doit être un petit peu chiant quand même. Hop, sinon, bah écoute, moi ça va, impeccable. Donc on va poser ça ici. On va mettre ça. Hop. Alors je vais mettre là le volant là, levier de vitesse ici, c'est parfait. Donc avec les fameux petits patins de serrage donc qui sont ici là, nous avons les petits patins de serrage qui sont juste là, hein. Là ici, plus celui-là, mais lui je pense pas qu'il va serrer grand chose, il va juste servir à stabiliser. Donc on a les petites vis ici qui permettent de monter et descendre les patins. On va mettre ça en place, on va serrer ça. Voilà, on va mettre ça là. Alors là ça descend, là ça monte. Alors, c'est du plastique, hein. C'est du Logitech. J'arrive même pas à savoir si ça sert en fait. Ah si, ça y est, ça monte. Ça y est, ça monte. Je vais quand même vous montrer un petit peu comment j'installe ça. Donc là, voilà, je suis en train de l'installer tout simplement ici. Voilà. Juste à côté, là, il y aura le volant juste ici en face, là. Hop, là j'ai un côté qui est serré, ici. C'est pas en cuir et carbone pur. Non, c'est du plastique. Plastique, le jour où Logitech ils feront un volant en cuir et en carbone. Bah avant le volant, avant, genre pour le G27, je crois, si je dis pas de bêtises, il était en cuir cousu main. Après, ils sont passés au cuir semi-cousu collé. C'est pas censé se... Ça se descend pas, c'est pas grave, je vais pas y toucher. Je vais éviter de tout casser. Voilà, et on serre aussi le petit bitonio qui est derrière. Hop! On vire. C'est assez léger, on va dire, hein, dans la sensation. Ça glisse bien dans la main. Le pommeau, il glisse vraiment bien dans la main. Les vitesses, bon, bah, on sent quand elles s'enclenchent. Hein. Là, dessus, on peut pas se tromper. Par contre, entre la deuxième, la quatrième... Par contre, j'ai... Alors, première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et... Faudrait que je regarde dans les descriptions un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Alors,
On va ouvrir ça. Donc là, j'ai le petit câble derrière pour le brancher. Ça se branche directement au volant, si je dis pas de bêtises. Et puis après, c'est le volant qui va se brancher au PC. Alors ici, nous avons la petite notice. Ça, c'est les recommandations d'utilisation, les trucs importants à savoir. En informatique, et je connais un petit peu les ports. Alors, ici. Rien de particulier. Si, faut bien les appuyer, ces trucs-là. Moi, ça appuie que dalle. Alors, peut-être qu'ils sont. Peut-être que j'ai mis le volant. Et si tu passes la quatrième avec une voiture 3 vitesses? C'est une excellente question. C'est justement la question que je me posais. Et le truc, tu vois, c'est que bah. Ah merde ce truc! Normalement ça là, c'est censé s'enfoncer et rester enfoncé. Alors y a peut-être une astuce pour le laisser enfoncer, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est pas. Au pire, si ça reste levé, c'est pas grave, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que les fixations tiennent bien sur le bureau, que les vitesses passent bien en jeu et que tout fonctionne nickel. Alors, moi, je suis d'avis de bien serrer quand même. Bien serrer, aussi bien devant que derrière. Voilà. Je sais pas, ouais. Alors, du moment que ça bouge pas. Voilà, du moment que ça bouge pas, le reste, ça va aller. Donc là, ensuite, c'est pas compliqué. Voilà, ils disent juste qu'il faut brancher le levier de vitesse sur le volant. Bon, bah là, ici, rien de compliqué, hein, brancher le levier de vitesse sur un volant. Rien de compliqué en soi, volant. Alors, dans le cas, tu peux te faire rembourser au moins. Oui! Oui, j'ai une période qui me permet de tester tout simplement le volant et le levier de vitesse. Et si je ne suis pas satisfait, je peux renvoyer le colis tout simplement et me faire rembourser. Bien sûr! Bien sûr, bien sûr. Sinon, je ne l'aurais pas pris. J'ai quand même fait attention à ce genre de détails. Alors, on va refermer la petite boîte. En soi, le levier de vitesse, il n'est pas volumineux, il n'est pas très imposant. Il est quand même pas mal. Donc j'espère qu'il va bien fonctionner. J'espère que va être assez propre. Bien en tout cas, les finitions, elles sont quand même assez agréables. Il n'y a pas de bavures, de plastique dégueulasse qui dépasse, mis à part ces trucs-là, là, ici. Ils se renfoncent pas, mais bon, ça va pas être gênant pour la course. Heureusement que ce ne sont pas des boutons pour appuyer, genre hop, je change de mode de voiture. Non, heureusement quoi. Ah. Ensuite, voilà le plus gros bébé, ça va être celui-là. Donc, voilà, donc faut lire tout ça, hein. Non, je plaisante. Ça, personne ne lit jamais. Donc là, on a la notice, hein, donc avec. Ça tombe bien, j'ai une prise d'alimentation qui est libre en bas. Je vais pouvoir brancher le volant en alimentation. Donc, PC, USB. Bon, il n'y a rien de compliqué. Faut que je télécharge le logiciel Logitech G. Là, pour le G923. Donc, ça, de ce côté-là, normalement, il n'y a pas de problème. J'avais déjà vu un petit peu ce que ça pouvait donner sur Internet. Alors, dans un premier temps, donc, on a l'alimentation. J'ai déjà perdu un câble. Le voilà. Donc voilà, le câble d'alimentation. Avec donc la ligne qui est là, la prise de courant là, et puis le connecteur qui va aller derrière le volant. Qu'est-ce que nous avons ici? Et nous avons des autocollants, un joli petit autocollant Logitech. Là, histoire de bien rappeler qu'on est sur un produit Logitech. Hein. Avec un petit peu de publicité pour acheter le siège qui va avec. Ah, donc on va d'abord sortir
Donc là, vous voyez une pédale. Je vais poser le carton par terre. Deux pédales. Trois pédales. Quatre pédales. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Donc voilà, on a le pédalier. Donc le pédalier de ce que j'avais vu. Donc là, on a le. Embrayage, là on a le... Oh putain! Oh! Oh la vache! Une pédale de frein, une vraie. Et l'accélérateur, ouais, l'accélérateur tranquille. Par contre, le frein, faut y aller. Hein. L'embrayage, ça va, c'est bien résistant. Après, voyons voir en dessous, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un petit truc, c'est quoi? Un truc, genre, c'est spécial peut-être grip pour la moquette, là. Ici, vous voyez pas très bien, mais c'est plein de petits picots. Voilà, qui sont orientés dans cette direction. Voilà, qui permettent sûrement de bloquer la... Pour gripper sur de la moquette. Donc, voilà, ça a l'air plutôt bien. C'est du plastique, hein, voilà. Là, ici, on a une finition aluminium brossée assez propre. Voilà, bon, en soi, c'est rien d'exceptionnel, mis à part la pédale de frein qui a l'air bien balèze. Et coucou, nos FDL, Q machin, truc, bienvenue sur le live. Merci pour ton follow, c'est très sympa. Voilà, t'arrives tout juste au début de la découverte de ce magnifique volant qui a été multiplement critiqué sur Internet. La prise qui va se brancher à l'arrière du volant, donc on va poser ça par terre en attendant. On va vérifier, voir si ça glisse. Ah, si ça glisse. Ça glisse un petit peu quand même. Mais après, ça le fait avec tous les pédaliers. J'ai vu ça. De toute façon, peu importe les pédaliers qu'on a, peu importe la marque. C'est le G923. C'est le dernier que Logitech a sorti. C'est la version au-dessus du G29 et du G920. Qui reprend exactement les mêmes technologies avec quelques petits superflus en plus, rien d'amélioré vraiment grandement dans le volant avec les mêmes défauts, les mêmes trucs. Enfin, on verra franchement au niveau des défauts. Moi j'attends de voir. Pour finir, le plus intéressant qui est le volant. Et effectivement, c'est du plastique. C'est une sorte de plastique qui imite très bien le cuir. Voilà. En attendant de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est sur le modèle, comme vous pouvez le voir, le modèle Xbox avec le AXYB. Là, on n'est pas sur le modèle PlayStation. Hop, ça, on va retirer. Donc voilà, en soi, la prise en main a l'air pas mal. Ah, ça tourne quand même sacrément, hein. 900 degrés normalement, si je dis pas de conneries. C'est pas mal, donc... les touches, elles ont l'air... Les palettes derrière, elles ont un bon ressort qui ramène bien. Hein, plutôt bien, ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, petit nouveau par rapport au G29 et par rapport au G920, c'est l'indicateur, le G29 lui il est équipé si je dis pas de conneries, le G920 il n'est pas équipé. Il y a l'indicateur du coup de régime avec les petites LED qui se trouvent juste ici. Et oui bien sûr il y a le retour de force, quelle question, le retour de force il était sur le G... Comment je les sors ces trucs? Ils ont dit qu'il fallait appuyer. Et ça sort pas. Tu l'as acheté pour toi? Ben oui, je l'ai acheté pour moi. Ah, faut les tourner. Oh, fallait les tourner. Donc c'est le même principe que pour le levier de vitesse. Hein. On vient tout simplement tourner ça pour... voilà, pour écarter les patins, les ramener, voilà, suffisamment pour les fixer à hauteur de bureau. Ah. Ensuite en dessous, donc il faut bien prendre soin de faire passer les câbles par les passe-câbles qui sont là pour éviter de niquer les fils. Donc je vais faire ça maintenant là, surtout pour celui-là là, parce que ça c'est quoi? Ça c'est la prise USB.
Et oui, Moustique va conduire, bah bien sûr, je suis en train de dévoiler ma nouvelle voiture en direct. Les prises. Alors ici. Là, comme ça. Là. Ensuite, on a celui-là. Le levier de vitesse. Tous aux abris. Merci Ena pour ta confiance. C'est très sympa. Donc là, nous allons pouvoir mettre le levier, le vial vitesse. On va éviter de dérouler tous les câbles parce qu'après sur le bureau, ça va être le bordel. On va essayer de faire un truc bien. Et coucou Xeni OITB. Je sais pas si j'ai bien prononcé, désolé pour le pseudo. Comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Donc oui, non, faut que j'en déroule un petit peu plus quand même parce que non, ça va être bordel. Au pire, je le resserrerai après ça. Ça, je le ferai après. Donc, ici, levier de vitesse, comme, c'est-à-dire comme ceci. Et le mieux, c'est de le brancher dans le bon sens, hein. Hop! Là, on l'enclenche dans les. Dans le passe-câble, et ça, on va le resserrer. Longueur de câble qu'on n'utilisera pas. Hop là! Donc ça, c'est bon, et il manque plus que brancher le pédalier. Donc le... Et en dessous. Déjà, hop, je vais poser ça. Hop. Alors je l'imaginais quand même un peu plus grand hein, dans ce que j'avais vu pu voir. J'imaginais ça un petit peu plus grand. Mais après c'est pas mal. Franchement ça a l'air pratique. J'ai hâte de voir ce que ça donne en game. Alors j'espère sincèrement que la technique des engrenages hélicoïdaux qui sont à l'intérieur qui servent pour l'arbre de transmission, ils vont pas sauter comme la plupart des gens disent. Magnifique la vue, n'est-ce pas? Alors là, du coup, c'est fait. Ah, voilà. Hop! Brancher le pédalier sur le volant. Magnifique, je savais que ça te plairait, Pyro. De toute façon, toi, tout te plaît. Je peux rien te cacher de toute manière. Alors, ah, il y a quand même une petite étiquette là ici, je sais pas si vous voyez, mais avec un petit garçon et genre interdit. Faut pas que le petit garçon il touche le volant. Voilà, c'est interdit aux enfants. Donc désolé Pyro, tu pourras pas l'utiliser. Toi qui resteras à tout jamais un éternel enfant. Tu dois pas toucher le volant moustique. Ouais, mais moi c'est moi le streamer, donc moi je fais ce que je veux. Moi je touche. Et puis de toute façon, moi je suis majeur vacciné, en bonne santé. Ok, donc hop. Donc voilà. Bon, on va serrer. Ça. Et ça s'enclenche tout seul. Voilà, je comprends pas pourquoi sur le levier de vitesse, ça le fait pas. Ou alors je... C'est que... Ouais, c'est un peu... C'est que les encoches, elles doivent être très légèrement bouffées. Bah, elles sont pas oufissimes. Alors, le pédalier, on va le mettre en contact avec le mur. Ah. Plutôt bon. Ça part un peu en cacahuète dans le chat. Ça raconte des trucs. Ensuite.
de mettre les pattes dedans. Voilà, alors. Ok, d'accord, ouais. Quand je vais freiner, j'ai le siège qui va reculer. Ça, ouais, va falloir que j'essaye de trouver un moyen de caler la chaise de bureau, du coup, pour pas qu'elle bouge. Donc là, hop. Ça, on cale ça. Voilà, vite fait pour que ça bouge. Ensuite, le câble. Là, on a le câble USB, donc ça signifie qu'il faut le brancher sur le PC. Ça paraît logique, vous êtes d'accord avec moi de ce côté-là? Hein? Et on n'est pas sur un câble ANUSB, attention. Pour ceux qui connaissent. Alors. Non, faut que je trouve une prise USB de libre. C'est wireless. C'est pour décorer. J'aimerais bien. Ok, c'est branché. On est branché. Oh! Oh, vous voyez pas, mais il y a les petites LED qui se sont allumées juste ici là. Je sais pas si je peux vous montrer. Si, vous voyez là, le reflet vite fait sur les doigts là. Juste ici là, là. Le reflet sur les doigts là. Voilà, les petites LED sont allumées. Alors, on va aller. Je vais. Voilà, maintenant que le volant est en place, ce que je vais pouvoir faire, c'est régler la position du levier de vitesse par rapport au volant. Et je vais le rapprocher un petit peu. Ah. Coup de klaxon. Oh, c'est un vieux klaxon. C'est un très vieux klaxon. Dit camion. Pouet pouet. Hop! Voilà. On est plutôt ok, ça c'est à côté. Palette, nickel, les pédales. Pédales. Ouais, faut que je trouve un moyen de bloquer cette chaise du coup pour pas qu'elle recule. En bas, j'ai de quoi faire des cages et des vieux chaussons tout pourris qui partent en lambeaux. Je vais aller les chercher et je vais les utiliser pour me faire une sorte de cale derrière les roulettes. La chaîne avec des points de chaîne. Non, les emotes de la chaîne, c'est. Si je dis pas de bêtises, c'est uniquement les subs. Parce que j'ai pas mis d'emotes avec des points de chaîne, donc. Uniquement les subs. Je suis triste. Mais c'est que j'ai pas encore pris le temps d'en faire d'autres. Ah, je voulais faire des emotes spéciales avec mon petit moustique. Mais comme je suis pas graphiste. Du coup, bah, je peux pas, pour l'instant, je peux pas. Ah merde, j'ai fixé le volant, mais j'ai pas encore mis la lime. Ah oui, truc de balle. Hors dessert. On recommence. En fait, le volant, là, il est alimenté uniquement par l'USB. Hop. Voilà. Je vais passer le câble comme ça et voilà, il y a tout pile exactement le nombre de passe-fil qu'il faut. Voilà, il en faut pas plus, pas moins. Enfin, il en faut surtout pas moins en tout cas. Hop. Je replace bien le volant. On resserre ça. Demande courir. À courir, ça fait un moment que je n'ai pas discuté avec lui, ça fait un petit moment que j'ai pas pu aller sur ses lives. On va dire que si on devait prendre en compte du coup qu'on live tous les deux ensemble dans le même groupe, bah à nous deux en fait on pourrait faire des lives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, étant donné qu'on live jamais en même temps, on n'est jamais dispo en même temps et qu'on se croise jamais. Et ça fait un petit moment que je lui ai pas causé. Il faudrait que je lui envoie de temps en temps un petit coucou, voilà, pour lui demander des nouvelles. Et le volant, et vous savez quoi? Le volant, en fait, il est connecté, il fonctionne.
J'ai appuyé sur le bouton, enfin, les boutons en fait de la manette. Et en fait, ça fonctionne, ça m'ouvre l'interface Xbox et tout. Donc en fait, je peux me servir de la manette. Donc ça, c'est pour la prise USB. Après, pour le moteur. Ah, attends, je l'emmerde dès qu'il est là. Je ferai un mot si tu veux. Ouais, t'inquiète. Non, mais au pire, t'embête pas, t'inquiète pas. Enfin, c'est juste que quand je suis pas dispo, en fait, lui, il est en live. Du coup, je peux pas passer. Je peux voir. Mais t'inquiète pas, je prendrai le temps. À l'avenir, je pense que dès que Pékin Express et Top Chef seront terminés, j'aurai plus de temps pour aller lui faire un petit coucou. Alors, je vais brancher. Attention. J'espère que le volant va pas se mettre à tourner tout seul tout de suite. Ou alors s'il le... Ah bah si, il tourne tout seul. Voilà, donc il y a le retour de force. Ça peut pas être plus clair. Ensuite, on y... un petit peu de câble manager. Voilà. Là, j'ai un fil. Ah, et là, j'ai un autre câble, il faudrait que j'arrive. Voilà, comme ça il me gênera pas. Donc comme vous avez pu le voir, hein, le volant s'est mis à tourner tout seul. Hein, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le logiciel dont ils ont parlé. Hop, alors le logiciel, il est sur Logitech. Logitech. Le clavier, il est où? Essayer de remettre le clavier derrière le volant. Voilà, là où j'ai l'habitude. JTEC, vous savez quoi? J'ai très chaud. J'ai très chaud. Parce que dehors, il commence à faire super beau et commence à taper sévère sur le toit. Et comme je suis sous le toit, ça chauffe. Alors, Logitech. Tech. Enfin, GG. Non, c'est 923. J'ai 923 et on va aller chercher le petit logiciel. Assistance, caractéristiques techniques. C'est pas ça. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le logiciel? Le logiciel. Bon, en tout cas, voilà. Le petit bébé, il est installé. Hein? Le logiciel, ça y est, il est téléchargé maintenant. Je l'ai. Le truc, il est installé. Et nickel. Ah, on est sur de la petite résistance quand même, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur de la petite résistance assez sympa. Oh là, c'est quoi ça? Bienvenue au service de support Logitech. Alors, attends. Logiciel. Ah. C'est pas ça. Ah. C'est dans quoi? Tout à l'heure, c'est dans la petite boîte là. C'est dans cette boîte là. Là-dedans, qui parle du logiciel. Oh, je sais plus. De papier. Ah, mais il y a le lien en fait là ici. Super. Alors, on va taper. Comme port et 923-B1. Je signifie Xbox One. Après, on s'en fout. Question. Un ce product. C'est celui avec les boutons de couleur. C'est celui-là pour PC Xbox One. Setup guide. Téléchargement. Download.
Hub, G29. G-Hub, bah, c'est celui-là, voilà, c'est ça que je veux. Enregistrer sous, téléchargement, voilà. On fait les petits trucs bien, on installe tout ça proprement, gentiment. Hop! Voilà, j'en profite pour ranger le carton, pour passer un petit peu. Pédalier. Il agrippe bien au sol quand même le pédalier. Après, il est bien fixé. Après, c'est ma chaise de bureau qui va poser problème. Alors, voyons voir. Téléchargement. Logitech. Parti. On va installer ça. Je sais pas si vous avez vu, mais je tourne le volant et hop, il revient à sa position initiale. Ça, c'est pas mal. Je vais un petit peu. Je vais passer en mode genre un peu allongé comme ça. Allez, tout. Ouais, il faudrait que je puisse pousser le pédalier un peu plus quand même. Donc, oui, on me l'installe. J'espère qu'il va pas me demander de redémarrer le PC parce que ça va me faire chier un petit peu. Installer. Voilà, là j'ai un petit peu mieux adapté le truc. Hop. Bien, faut juste que je cale la chaise. Donc le temps que ça s'installe, je vais aller chercher mes chaussons qui vont servir de cale. Vous savez quoi? L'avantage de vivre à deux, c'est quand le deuxième juge que un certain truc est devenu inutile, qu'est-ce qui se passe? Bah, il jette à la poubelle. Ok, le volant est en train de s'exciter à nouveau. Logitech. Et... Je sais pas combien de fois il va me le faire ça, mais j'espère qu'il va pas me le faire à chaque fois. Et coucou Delta, Litty, Alexis, Wii U. Pourquoi vous avez tous des surnoms, enfin des pseudos à rallonge comme ça? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors voyons voir, bienvenue dans Logitech, machin, truc et tout. Ouais. Suivant. Libère ton potentiel. Ouais. Démarrer G-Hub. Ouais. Partager mes données d'utilisation. Envoyer automatiquement des rapports d'erreur G-Hub. Rencontrer les problèmes. Ouais. Je déciderai plus tard. Dans les. Ok. Décider plus tard. Ah, ça, on active. Eh ben, écoute, moi, ça va. Voilà, je suis en train de tester. Tester vitesse inférieure, vitesse supérieure. Menu. Stick, machin, point. Ouais, ça c'est le mappage des touches. Mappage des touches, on est ok. Donc, première, deuxième, troisième, la quatrième, cinquième, sixième. Ah! La ma. Ah! Je sais pas si vous avez vu, mais. Voilà. En fait, là, j'enclenche la sixième. Et là, j'enclenche la marche arrière. D'accord! Ok, je me disais, il y a un truc. Eh ben, j'ai trouvé. Donc voilà, ça c'est ok. Ça c'est ok. Là, l'affectation des touches a l'air d'être bon.
Le volant, plage de fonctionnement, bah on est à 900, hein. C'est quand même sacrément précis, hein. Je vais vous montrer. Je vais le logiciel pour voir un petit peu. Alors. Alors attendez. Ah, c'est normal si vous voyez pas. Voilà. Montre. Donc là, j'ai l'interface donc du logiciel pour le volant. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais ça reste quand même sacrément précis. Hein. C'est pas mal, hein, franchement. Sensibilité. Alors, je peux même réduire si je réduis la plage de fonctionnement. Ah, d'accord, c'est que ça tourne pas plus. Ok. L'avantage de faire ça, c'est quand je vais conduire des supercars, des voitures genre de type les Formule 1, les trucs comme ça, je vais pouvoir juste réduire la sensibilité de façon à ce que quand je tourne là ici, bah là je suis au maximum de la rotation des roues en fait. J'ai juste à faire ça que j'ai pas besoin de tourner le volant 15 fois comme sur une voiture classique. On dirait la voiture sans permis de mon grand-pas. Sérieux? Sympa quoi. Ressent hein, sur les jeux sans retour de force. Alors puissance du son, ah, son ah, sensibilité de la pédale. Alors, on... Ouais. J'ai trouvé une astuce pour freiner sans reculer avec ma chaise. Je me sers de mon genou qui bloque sur la planche du bureau juste au-dessus. Après l'idéal ce serait que je me positionne comme ça, et puis que... Ouais. Le système D, bah, il faut bien s'adapter, hein. Écoute, on fait comme on peut, hein. Ok. Eh ben, écoutez, le logiciel, pour moi, il est bon. Donc, il est ouvert là. Voilà, on est tout bon. Parti. Démarrer le jeu. En parlant de système D, faut que je bloque mon siège là. Ouais, je vais rien avoir pour bloquer. Alors, ça prend en compte, hein. C'est pas mal. Mal. On va faire continuer. Hein. Je sais pas s'il y a un paramétrage spécifique à faire avec le volant ou si ça prend automatiquement en compte les paramètres du logiciel qui ont été établis juste avant. J'espère qu'il n'y a pas de. Pas de trucs à faire en plus. Voilà. Et l'avantage que je vais avoir maintenant, grâce à ce volant, c'est que je vais pouvoir jouer, on va dire, peut-être un petit peu mieux à Assetto Corsa, parce que Assetto Corsa à la manette, on va pas se mentir. C'est pas oufissime. Ravi de vous revoir, Jonathan. Ravi de vous revoir. Hop. Bon, c'est parti. Ah, yes! Ouais, bah il y a du boulot. Il y a du boulot. Par contre, du coup, c'est... Vous avez atteint votre destination. Ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous.
Là, on est quand même sur des sensations qui sont très particulières. Hein. C'est, j'ai vraiment l'impression d'être. Vraiment, c'est un peu le but du volant aussi. Mais... Ouais, effectivement. Ouais, il y a des. Oula! Voilà, ça patine un peu. Ouais. Bon, en soi, ça roule vraiment bien. Franchement, c'est propre. Le retour de force, par contre, ouais, il fait vraiment des trucs. Genre, tu ressens l'inertie de la voiture. C'est vraiment particulier. Ouais, je trouve ça pas mal. Ouais, et ça emmène vraiment le volant. Le volant, vraiment, il tourne tout seul. Hein, vraiment, ça l'emmène. C'est abusé. C'est abusé. Par contre, ça fait un boucan monstrueux. Franchement, c'est plaisant. Moi, j'aime bien. Ah oui, je peux passer les vitesses aussi avec les palettes, mais pour le passer avec les palettes, il faudrait que je change le mode de transmission, que je le passe en séquentiel et pas en manuel avec boîte, avec embrayage. L'embrayage fonctionne très bien, l'accélérateur fonctionne très bien. Le frein, bon, bah, j'arrive pas à appuyer dessus sur reculer, donc. Particulier. Waouh! Ça donne des à-coups, c'est violent. Il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que je revoie complètement mon style de conduite parce que du coup, ça a rien à voir avec un volant. Et là, je peux pas dire, ouais, avec mes années de conduite irréelle, non, ça marche pas. Ça marche pas, ça a rien à voir, c'est un jeu vidéo. Rien à voir avec la réalité. Ah! Oh la vache, ok. On va essayer de faire. Non, j'ai voulu, mais ça va pas mal. Ah, moustique qui pète tout, fuyez. C'est exactement ça. Ah, mais ça tourne automatiquement le volant, c'est super chiant en fait. Maintenant, il va falloir que je me réhabitue. Il va falloir que je me réhabitue parce que c'est la marche arrière. Ah là, elle est là. Et pourquoi ils ont mis des arbres partout là? C'est chaud, ça. J'essaie de retrouver mes marques un petit peu avec les dérapages, mais ça va être compliqué. Alors, on va prendre une voiture qui dérape un peu moins quand même. Parce qu'il faut s'habituer un petit peu au truc. Semblait. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. On va aller prendre. Alors, voyons voir si je fais un fil. On va prendre dans la catégorie C et B. Non, en fait, j'ai même mieux. Il y a une voiture que je connais un peu. On va dire que je connais un peu les sensations.
La conduite, elle est présente sur le jeu. Je vais y arriver. Je suis perdu avec les touches. F. F. Ford. Ford. Est-ce qu'elle est... Ah, c'est celle-là. Ok. Bon, par contre, c'est vraiment particulier. Comment je fais pour changer de vue? Quelle touche? C'est celle. Voilà. What? What? Je vais me mettre sur le côté. Je vais le sur le côté parce que là ils sont en train de faire tellement de la merde de Barivata. Eh? Eh? Ah? Ah si, un autre truc, c'est que pour être tranquille, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que... Je collecte l'horizon là. Là au moins je... Donc... J'ai dit... Est-ce que je me mets comme ça, avec le volant apparent, ou... Pourquoi je suis dans un groupe, je veux pas être dans un groupe, moi, je veux pas être en convoi, et toi. Ah, donc je me mets comme ça, ou je me mets plus comme ça. Logique voudrait que ce soit plus comme ça. Celui-là est bien blindé. Hop, on va se... Voilà. Ah, c'est un petit peu... mieux. Où ça glisse? J'ai l'impression que ça s'adapte à la voiture, genre le retour de force n'est pas le même. C'est pépère en fait comme conduite, c'est pas mal. Bien, c'est confortable, ça se conduit tout seul. Est-ce qu'il y a une sixième? Quatrième? Ah oui, il y a une sixième. Alors, le classeur que j'ai mis en dessous, c'est une très mauvaise idée. Ah, j'ai trop de mal à utiliser le frein. Trop de mal. La chaise qui glisse. Ça, c'est trop chiant. Faut que je trouve un moyen de la bloquer. Non, je lui retire les roulettes au pire. Hein. Ah non, ça passera pas. Il y a le ressort... Le... La suspension au milieu qui va pas être bien. Ah, elle m'aurait pas acheté mes vieux chaussons tout pourris, j'aurais pu les mettre derrière, mais non. Peut-être. Peut-être que je pourrais foutre derrière la chaîne. Voir ce que j'ai dans la chambre, genre. Parfait! J'ai trouvé ma vieille blouse de lycée. Je vais pouvoir utiliser ça.
Et avec mon poids dessus en plus, normalement, si j'appuie sur pédale de frein, voilà, là je recule pas. Je vais être juste bien en face. Ah, le système D. Système D pour réussir à se positionner. Hop. Voilà. Pas trop trop mal. Positionner ça un petit peu. Voilà, là, ça devrait être bon. Ah, je suis obligé d'utiliser ma blouse quoi pour bloquer la chaise parce que sinon la chaise elle se barre. Voilà, et là je peux freiner. C'est pas mal. On a même le ressenti, genre quand on double un bus, ça donne un léger à-coup sur le volant aussi également, c'est pas mal. Alors moi personnellement c'est mon premier volant. Enfin, c'est mon premier volant avec lequel je joue, donc pour moi il a l'air au bien pour un début. Hein, pour... Pas mal. Hein. Peut-être un petit peu de... Il fait beaucoup de clac clac le levier de vitesse. Clac, clac. J'ai l'impression d'être posé dans ma voiture. Tout peut être tranquille, voilà. Que je m'entraîne maintenant à bien piloter correctement avec voiture parce que faudrait que je vois peut-être pour m'acheter un siège spécial. On va bien mettre le volant, mettre les pédales et l'installer correctement. C'est peut-être plus adapté que le siège gros que je l'ai dit. Non. C'est pas mal, hein. Franchement, ça se prend bien en moment, hein. Ça se prend bien en main, ça roule bien.
Là, ce qui manque maintenant, c'est des sensations. Sensations de vitesse, des jets qu'on prend quand on virage rapidement. L'environnement, le bruit assourdissant de la route, où la toute allure dessus. Voilà, les sensations de vibration dans le corps, tout ça, ça manque un peu. C'est un petit peu compliqué en même temps. Voilà, comme toi, tu sais. Oh, c'est cool. Ah, par contre, la sensation de patinage des roues avant avec le volant, elle est très représentative de la réalité. Là, de ce côté-là, je peux vous l'assurer. Vous avez atteint votre destination. Pour l'avoir déjà vécu, je peux vous garantir que la sensation, elle est identique. Elle a bien été reproduite. S'habituer bon bah là du coup pour faire mon test voilà j'ai juste pris une Ford Fiesta ST voilà une voiture qu'on peut trouver couramment dans la vraie vie hein. Pas tous en Ferrari non plus hein. Moi c'est une voiture avec laquelle j'ai quand même trouvé pas exactement celle là mais ce qu'on vit pareil. Et j'ai juste l'impression de couler pour de vrai. Bon, le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que je vois pas les rétros. Peut-être pas la meilleure voiture pour. D'accord. C'est sensiblement les mêmes touches. Je suis en train de tester la molette, je sais pas quoi est-ce. La tournée, ça a rien fait. En soi, après les autres touches, je sais pas ce que c'est non plus. Ça sert peut-être dans les menus ou dans d'autres jeux plus adaptés, j'en sais pas. Il faudrait que je teste, que je prenne une voiture un peu tout terrain et que j'aille dans la terre pour voir un petit peu les sensations. Ah, ça fait ça vibre. Franchement, moi j'aime bien. Alors j'ai eu l'occasion de tester aussi le TS de Trustmaster là, sur Assetto Corsa. Alors ça n'avait rien à voir, hein. Franchement le retour de force à 100% il arrachait les bras, il était vraiment plus puissant. Là on est sur quelque chose qui donne de bonnes sensations et voilà, rien de bien exceptionnel non plus, mais voilà c'est... Moi personnellement, dans certaines situations, j'ai vraiment l'impression de conduire une vraie voiture. Là, c'est... Après, est-ce qu'ils ont pris en compte si je percute un autre volant, est-ce qu'ils ont pris en compte la force du vent ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. En tout cas, quand les roues commencent à patiner, avec le volant, au moins l'avantage, c'est qu'on le sait. Ah, du moins pour ceux qui testent un volant et qui découvriraient cette sensation. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, on a le volant du coup qui résiste jusqu'au moment où les roues commencent à déraper et là en fait sur le volant il n'y a plus aucune résistance. Vous avez atteint votre la résistance, destination. Il se relâche complètement et on a l'impression de tourner le volant dans le vide en fait. Ça signifie tout simplement que vos roues elles patinent. C'est bien fait.
même sur cause de pas mal. Sûr que par rapport à la gamme Thrustmaster, où vous prenez plus le servo basse qui fait le prix du volant, plus le levier de vitesse, plus les pédaliers, les AGSA, là pour le même prix, vous avez juste la base qui est juste devant. Vous n'avez même pas le volant, vous avez juste la base chez Thrustmaster. Forcément, la qualité ne sera pas la même. Les sensations ne seront pas les mêmes non plus. De meilleure qualité. Voilà. Et pour avoir là l'équipement que je vais complet, pour le même prix chez Thrustmaster, vous avez juste le servo base. Après, si votre objectif c'est pas non plus de faire de la compétition ou jouer un truc monstrueux qui va vous arracher les bras, aucune utilité d'avoir de l'équipement. Vous avez atteint votre destination. Ah, c'est très bien pour commencer en plus. Ça a de très très bonnes sensations. Oh la vache, oh la vache. Effectivement. Le levier de vitesse, il n'est pas obligatoire. Hein. Si vous ne pouvez pas le prendre, vous ne prenez pas. Vous pouvez utiliser les. Vous pouvez utiliser les petites palettes qu'il y a derrière là. Après, moi, j'ai le levier de vitesse. Si j'avais pu avoir le levier de frein à main, j'aurais le frein à main avec. C'est l'occasion pour moi de faire un peu le tour sur les routes avec un. Si j'étais dans une vraie voiture. Enfin, je préfère le faire en jeu plutôt que de le faire en vrai. En vrai, on sait jamais. Hein, ça peut très mal se passer. Et puis, de toute façon, ma voiture est parfaite. On a très peu la sensation de vitesse et alors qu'il faut ralentir avant un virage parce que bah, on sent qu'on va trop vite et que bah, ça c'est un truc que moi j'aime bien quand je... avoir cette fameuse sensation quand on va trop vite, on le sent qu'on va trop vite, là il n'y a aucune sensation de vitesse de part sur le plan que je qui se déporte sur les écrans sur le côté là puisque j'ai trois écrans et j'ai mon troisième écran qui est pas compatible avec la technologie, peu dommage. Peut-être que ça aurait apporté cet effet de vitesse, j'aurais pu voir j'aurais pu avoir une vision pour les rétros. Bon, par contre la force attire sur les bras, il faut avoir du muscle. Il faut avoir du mucus hein. Après avoir un petit peu roulé, donc la prise en main du levier de vitesse, elle est quand même assez simple. Les vitesses, elles se passent toutes seules, c'est plutôt pas mal. Là, c'est une question d'habitude. Il faut avoir l'habitude de s'entraîner. Comme pour la irréelle, si on veut devenir bon conducteur, il faut prendre les bonnes habitudes. On prend le coup de main. Ouais, tu le sens tout de suite quand ça part en cacahuète. Tu le sens tout de suite. Dans les critiques, dans les vidéos de tests et tout, que oui, apparemment les engrenages ils sautaient, écoutez, pour un fou, je pense que ça n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, avec l'usure, je sais pas, passer un petit peu de temps à rouler, pour leur fouet. Et franchement, quand ça glisse, on le sent vraiment. C'est bon.
ça vibre. J'ai pas de chance, il pleut, alors ça glisse. Du coup, je pense que vous êtes pas prêt de me voir conduire une grosse voiture là de... pour l'instant. Ou peut-être à la manette, mais pour l'instant, vous êtes pas prêt de me voir conduire une grosse voiture. Je crois que je fais bien le test. Oh la vache, l'inertie de la voiture qui est tellement. Le ressenti est énorme. Le volant il va emmener. Ah. C'est abusé. Abusé. Par contre, j'ai remarqué que j'ai pas les LED. Peut-être parce que sur cette voiture, c'est pas. Ou peut-être parce que sur le jeu, c'est pas adapté. Ouais, je vois sur Assetto Corsa, j'ai Assetto Corsa Competition sur Steam. Faudrait que je le re-télécharge, que je le réinstalle. Pour un petit. C'est pas pareil sur un jeu à l'autre, les sensations sont pas les mêmes, bon, ils n'interprètent pas les choses pareilles. Et la fixation elle a l'air assez solide, hein. Du lever de vitesse, non, ça va bien tenir. J'ai réussi à caler ma chaise, ce qui est un plus. La chaise qui glisse, surtout quand on utilise le frein, il y a un sacré ressort en fait, je pense que ça doit être un ressort. Un peu de frein, il y a un truc qui est appuyé pour freiner. Un peu comme sur les anciennes voitures. Moi j'aime bien, franchement ça me plaît. Je regrette pas. C'est pas non plus ultra oufissime, mais j'ai aucun regret là-dessus. Bon, les sensations elles sont plutôt bonnes. Pas ça, pas autre. Il y a quelques petits parasites, quelques petits effets secondaires. Peut-être pas forcément, mais. Étant donné que j'ai jamais passé ma vie à rouler à 200 km/h sur les rouges, je sais pas si c'est vraiment représentatif. Donc voilà. La touche, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est que la touche. Ah, c'est ça la touche 8. Ok, d'accord. Bah, franchement... pas mal, hein? Plutôt pas mal. Alors, je vous ai dit que vous n'allez pas me voir avec une grosse voiture. Et j'ai tellement envie de tester. Je vais le faire avec la Tsena. Là, je sais qu'elle a une très bonne tenue de route. Parce que ça. Alors, attendez, je peux. Juste, hop, descendre un petit peu le...
pas mal. Quand même. Sont pas les mêmes. C'est quoi la sensation quand on prend la route? Wow. Ok. Ouh. Ah, faut faire vachement gaffe, hein, c'est pas évident. La résistance déjà elle est un peu plus forte. Volant un peu petit mais bon. Moi, j'avais dit que je voulais tester du coup une voiture plus tout terrain. Tout terrain, alors on va aller chercher le tout terrain, le tout terrain. Ah, hein. Hop. Pour ça, je vais chercher. On peut partir là. Partir. À 9, là j'ai la 6. Bon, tiens, 6. 6, et on va aller faire un petit peu de chemin pour voir ce que ça donne. Ok. On est sur une 4 motrices. Je vais pouvoir m'entraîner à faire du talon pointe. Ça va pas être évident.
des chemins, bah attends. Particulière du coup sur les chemins. Ah c'est pas mal. Là j'aime bien. Oh ils sont quelque chose de... Je sais pas si c'est représentatif. La voiture, je m'amuse pas non plus. Dans les champs, dans les chemins. De la sensation. C'est dommage que pour les flaques d'eau, ils aient pas fait un effort là-dessus pour ça. Normalement, quand on roule dans une flaque, ça... Normalement, ça te tire le volant du côté où il y a la flaque. Et de l'aquaplaning, ça te freine du côté où tu roules dans la flaque. Et... normalement, le volant il est censé voler plus du côté où il y a la flaque. Mais bon, après... On est quand même sur un jeu qui est plus arcade que pure simulation. Ça ne m'étonne pas s'ils ont pas pris ça en fait. Ouais, ça marche bien. Plutôt bien pour tester en course. Mais... pour la route, c'est propre, c'est calme. C'est... pour le chemin, c'est à ce goût. Ça donne de très gros à-coups. Assez marrant. Maintenant que je trouve que je commence à m'habituer à avoir un volant à la place d'un joystick dans les mains. Ah c'est qu'il est tout ce qui part du coup. Je m'étais bien habitué à la manette et bah là quand j'ai un volant entre les mains c'est très compliqué. Non c'est pas mal. Je vais essayer ma copine. Je suis sûr qu'elle va halluciner. Ça va avoir les sensations. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Ça va peut-être. Ah, la pédale de frein, faut l'écraser. Elle est balèze. Ah, ça marche. J'ai pas de levier de frein à main, alors du coup, pour donner un coup de frein à main, c'est un peu compliqué. Ah, si vous avez entendu, j'ai fait gratter la boîte. J'ai oublié d'embrayer. Débrayer.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme voiture qu'on pourrait tester? Alors, voyons voir. Si vous avez une petite idée d'une marque, une petite voiture, de préférence pas vraiment super super rapide, mais un truc plus classique. Classique. Chose qui roule lentement, quoi. Si j'ai une petite. RRRR. Renault. Et Renault Clio RS ici. On va pouvoir tester des trucs avec celle-là. Je pense que je vais faire quelques petites courses. Ah, pour. Entre la boîte de vitesse qui grogne un petit peu à kiff pas. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Bah oui, il pleut. Allez, je suis un peu concombre. Merci Célia pour le à boire. Je fais ça. Je fais ça. Dans la foulée. Et comment vas-tu? Hop. Heureusement que je suis pas en pleine course. En plus, ça tombe bien, j'avais soif. Bah écoute, moi ça va, tu vois, je suis en train de tester mon nouvel équipement là pour la course. En train de tester ça. Faut que. Ouais, je vais monter un peu le volume parce que moi j'entends rien. J'entends même pas le moteur. Alors, rentre chez moi perso pendant que tu t'amuses. Ah bah écoute, eh bien, rentre chez toi. Alors, ça s'est bien passé les cours. Peut-être pas faire un Goliath. Marathon? Marathon. Un marathon, pourquoi pas. Prenez la deuxième sortie. Un gros trou dans le monde, voilà. Ah, les profs absents, ça c'est le genre de truc qu'on kiffait bien, ça. On aime tous les profs qui sont absents. Le seul problème, c'est quand t'arrives à l'examen à la fin, et que ton prof, il a tellement été absent que t'as rien appris, et que t'arrives devant des questions, tu sais même pas de quoi ça te parle. Là, tu te dis, ouais, finalement. Il aura peut-être mieux fait d'être présent. Ah, je vois quand je suis rentré, car là je bug. Et bah écoute, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, je suis en train de me poser la question, genre, À avec 400 une mètres, tournez voiture à et droite. avec une boîte de vitesse à 7-8 rapports, je fais comment pour passer la 7e et la 8e? Tournez à droite. Je crois que, pas de l'habitude, faut que j'ai les bons réflexes. Mais c'est le temps de s'habituer, tu vois. C'est
Après là j'ai une traction, j'ai pas une propulsion, parce qu'au début j'ai testé direct avec une propulsion, alors que voilà, propulsion, on sait très bien que si t'appuies pied plancher, ben, ça part en cacahuète. Là je suis avec une traction, donc si j'appuie ça va. Ça glisse un peu, mais y a rien de méchant. Et au moins ça me permet de retrouver un petit peu les sensations de conduite que je connais déjà en fait. Là je suis sur un truc qui est à peu près similaire en vrai. C'est dommage qu'il y ait le confinement, parce que franchement, Pyro, je t'aurais bien dit, vas-y, viens chez moi, viens en vacances chez moi, je te fais test. Je te fais test, tu vas kiffer. Appuie sur 8. On va faire ça en solo. On va prendre la petite Clio. Après c'est qu'une question d'habitude, voilà, c'est faut prendre le coup de main, faut s'habituer à avoir un volant et non plus un simple joystick qu'on déplace de 1 à 2 cm et puis ça fait tout dans le jeu. Comment c'est la course? Ah puis j'ai les drivateurs en plus en... En pro. J'ai intérêt à gérer. J'ai pas la sensibilité avec la pédale de frein, donc je sais pas, j'arrive pas à juger genre si je suis bien, si j'appuie trop, si j'appuie pas assez. Ouais, je sais, il y a le confinement, bah ouais, c'est dommage hein. Il y aurait pas le confinement. Bon, je crois que je suis dernier. Là, je sens quand ça glisse, hein. C'est horrible. C'est horrible. Ça me rappelle la fois où j'ai glissé dans le rond-point. Hé, hey, Lycos, comment ça va? Ah, mais non, mais je relâche pas. Enfin, si, je relâche, je veux dire... Moi, je suis en train de freiner, j'ai plus le pied sur l'accélérateur. C'est le même pied. Ma nouvelle voiture, bah regarde sur la cam. C'est mon bureau. On est pas mal, on commence à prendre le coup de main, surtout en course. C'est le plus important en course en fait. Dommage que ma voiture soit pas plus puissante parce que j'ai du mal à les suivre. Ah, il rajoute produit. Ouais, j'ai vu.
début, ouais, il te respecte pas du tout, ouais, effectivement. Ouais. De pleurer. Le frein, je commence à le comprendre. Ah, les à-coups que ça donne dans le volant. Je peux vous dire que le volant, faut pas le lâcher. Bah ça fonctionne plutôt bien, franchement. Bah, j'aime bien, j'apprécie. Je profite de mon jeu. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que je vois toujours pas les rétros. S'en mêler les pinceaux avec une boîte 6. J'ai pas l'habitude de la boîte 6, alors du coup, pas évident. Arrivé. Les rapports, ils sont assez serrés quand même sur le levier de vitesse, donc c'est pas évident. Dans le feu de l'action, on a vite fait de sauter une vitesse. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ça. La course se passe plutôt bien. Ah, c'est bon Pyro, t'as fini de pleurer. Il t'a tant vexé que ça. Et la course est terminée. Ah. Ah. Bon, je vous le dis, hein, il va me falloir un vrai siège pour conduire parce que... Avec ça là, tout le truc qui maintient les lombaires derrière là, c'est pas agréable.
En tout cas, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Je suis assez content. Moi, je regrette pas, personnellement. Voilà, je commence avec ça. Peut-être que d'ici quelques années, le truc que je ferai, c'est j'achèterai peut-être un Thrustmaster haut de gamme, complètement différent, avec un moteur brushless en arbre de transmission direct. Ah, le départ est plus dur. Le départ. Quand tu dis le départ, c'est-à-dire le départ arrêté, genre comme ça, là, en mode... Hey, salut Killarn, comment vas-tu? Bon, il est pas spécialement plus dur. Il y a un avantage, c'est que tu peux jouer de l'embrayage, du coup tu cales plus comme une grosse merde quand ta voiture elle agrippe bien la roue. Bah écoute, moi ça va super. Je sais pas si t'as remarqué, mais nouvel équipement pour la course automobile. Votre destination. Voilà, j'ai lâché la manette. Je suis passé au volant. Vous avez atteint votre destination. Pourquoi ils ne me reconnectent pas directement dans un Horizon Life plutôt que de me mettre des drive atar que je peux pas passer au travers? Franchement, les sensations, elles sont cool. Regrette pas du tout. Après, je pense qu'avec le casque sur les oreilles, ça peut masquer un peu le bruit que fait le volant et le levier de vitesse. Là, du coup, je joue sans le casque. Quoi? Hop, on va l'enfiler tout de suite. On va enfiler ça tout de suite. Voilà, comme ça on tombe directement dans le casque. C'est pas du tout pareil. Le son, c'est pas le même déjà. Ouais, ça va bien avec ton pseudo. Faut plus que tu montes de niveau maintenant. Faut que t'arrêtes de venir sur mes lives du coup si tu veux pas monter de niveau. Sinon tu vas passer niveau 19. Chance, on a la chance du débutant qui est devant nous. Bon, c'est un drive atar, c'est pas vraiment lui, mais bim. Ça c'est pour me venger, des fois il me l'a fait.
assez vite. On pourrait voir s'il y a moyen de faire une course. À 400 mètres, tournez à droite. Déjà. Tournez à droite. Tournez à gauche. Réfléchir. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah. Quand même plus vite. J'ai battu la chance Twitch. Ah, ces bruits de boîte. Ces bruits de boîte de vitesse qu'on entend. Oh non, j'ai pas de tricheur. Regarde, j'ai gagné. Hein. Il m'a dit que j'avais gagné. J'ai pas triché, moi. Vas-y, je fais. Je vais faire mon beau gosse au bord de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens, Aquilard, on vient de te doubler. Bah qui c'est que j'imite? J'imite Lycos. Non, il fait pas ça, Lycos. Avec la main, comme ça, avec la musique. J'ai débutu à hacker le champ. Pas du tout. J'ai rien fait de tel. Moi, je roule toujours bien. Respecte les limitations de vitesse. Un petit peu. Pas du tout. J'ai trouvé le klaxon. Qu'est-ce que ça donne si on conduit comme ça? Non, c'est pas ouf. Non, c'est vraiment pas ouf. Ah bah là, je vois les rétros. Ah bah, je vais rester comme ça. Ah, c'est fou la précision que ça a quand même. Genre le volant sur l'écran, il tourne de la même manière que le mien là, et il réel. C'est ouf. D'un autre côté, heureusement, c'est un petit peu le but. Oh la vache, j'ai le volant qui a tourné comme si je m'étais vraiment pris quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé, je vous rassure. J'ai jamais percuté personne. Par contre, il faut qu'il me connecte tout de suite à ces trucs-là. Genre, qui passe pas 20 ans après, quoi. Ah, genre je suis premier. Bah écoute, t'es premier, si c'est toi qui est là le plus souvent sur mes lives, tu peux que être premier. Et bah écoute, cette conduite, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est assez représentatif de ce que je connais irréel. Donc ouais, c'est plutôt bien. Même les pneus qui glissent à l'avant, c'est ouf. Bon, je peux pas comparer mètres, quand je prends une voiture à destination. Que je me prends un obstacle parce que ça m'est jamais arrivé en vrai, mais. Mais en soi, ouais, c'est pas mal, franchement.
franchement, j'apprécie. Énormément la conduite. Hop. C'est marrant, je crois que la commande a pas voulu fonctionner pour toi, Pyro. Voicebot, il t'a regardé, il t'a dit non, pas toi. Mais je crois que c'est parce qu'il y a. Il y a une tempo entre genre si quelqu'un le fait et que quelqu'un d'autre le fait aussi, la deuxième ça le fait pas tout de suite, faut attendre un petit peu. Il y a un cooldown, c'est ça. Ouais, exactement. Ah, quand même, hein, 55 heures, 11 minutes. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, pas une autre petite course. La carte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le mode photo. Je veux pas le mode photo. Je veux la carte. Ça, c'est la radio. Je te suis pas plus que ça. Non, mais... En gros, ça veut dire que personne me suit tout court et qu'en fait, toi, t'es le premier à me suivre pas plus que ça. Et après, il y a personne, tu vois, qui me suit plus que ça et il y a personne qui me suit vraiment. Voilà, c'est ça que ça veut dire, en fait. Moi, je suis vraiment, depuis qu'on fait du LOL, bah... Ah. Juste ça, en fait. T'es le seul. T'es le seul à suivre. Je voulais la carte, la carte, la carte. La carte, c'est la carte. Alors, une petite course qui pourrait être assez sympa. Assez sympa. Bah, vous savez quoi? Le Colossus qui est là. Colossus qui est une course qui est plutôt pas mal. Tu as fidélisé ton viewer. Ah bah oui. Et encore, non. C'est pas vraiment ça. Parce que si je dis pas de bêtises, toi, t'es plus. Tu viens de la chaîne de Vadrio, si je dis pas de bêtises. Tu viens de la chaîne de Vadrio. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que j'ai vu que t'étais. VIP. À qui j'ai parlé. À 100 mètres, prenez le virage serré à droite. Ah ouais? Avec tes foot sur Discord là. Ouais, bah ouais, les foot. C'est vrai. C'est vrai, je m'en rappelle même. Ah, je croyais que t'avais parlé à d'autres gens au moins. Oui, ça me revient maintenant, effectivement. À 100 mètres, tournez à droite. Ah, puis après le Discord, Paris, etc. Exact, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais... Je roule quand même à 90, hein. Ah, GG pour ton level 29. Ah oui, t'es déjà level 29. Ah ouais, quand même. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ah ouais, en fait, t'as tracé Pyro qui lui est là depuis le début en plus. Non, t'es pas là. Je sais plus. Si, t'es là depuis le début, Pyro. Je sais même plus en fait. Non, j'arrête de respecter parce que sinon je vais mettre 3 heures à arriver à la course. Mais de temps en temps ça m'arrive sur le jeu quand j'ai un petit peu de temps à perdre, que je suis pas plus pressé que ça. Je me mets en mode vas-y, je respecte le code de la route et tout.
Il faut que je prenne des voitures avec le compteur en miles pour ça. C'est plus simple parce que du coup, comme les limitations, elles sont en miles et pas en kilomètre-heure. Moi, j'adore conduire. C'est quelque chose. Ouais, quand on me dit, ouais, on prend la route, moi, je prends les clés de voiture. Ouais, même si c'est pas ma voiture, même si c'est. Enfin, voilà, c'est... je m'en fous. Moi, je prends les clés de voiture et je conduis. Ouais, j'adore ça conduire. C'est mon petit moment à moi. Après, oui, les autres gens. Ça a fait un truc trop bizarre parce que j'ai bougé la souris sur le jeu. Mais tu verrais, mais des gens comme ça, il y en a plein, hein, c'est malheureux. Les plus dangereux, ce sont ceux qui, genre, ils déboulent derrière toi, genre à fond, quoi. Ils arrivent derrière toi, ils freinent à 2 mm de ton pare-choc. Toi, t'es tranquille, t'es là, tu roules à 80, 85, tu vois, pour une limitation à 90. Tu roules pépère, tu fais ta petite vie, machin, tu regardes le paysage, c'est tranquille. Et là, tu vois le truc qui déboule derrière, tu te dis, mais ça y est, c'est fini, il va foutre la gueule en l'air. Il arrive derrière toi, il te klaxonne parce que t'avances pas, mais... Double ? Qu'est-ce que tu fais chier ? Fais pas d'appel de phare, klaxonne pas, double ! Si t'as envie de te foutre la gueule en l'air, vas-y, je te retiens pas ! Mais m'emmène pas avec toi, quoi ! Laisse-moi tranquille ! Ah, les motos, c'est particulier encore. Il y en a certains, ça va. Il y en a d'autres, moi, plus d'une fois, c'est arrivé sur des voies où t'es pas censé doubler. Il y a un terre-plein qui est sur la gauche, et bah, moi, quand je prends mon... Quand je roule, le terre-plein, je le frôle, quoi, pour tourner un minimum le volant, parce que moi, je tourne très, très peu le volant. Surtout quand il y a des zigzags, la plupart du temps, ma voiture, elle fait tout droit dans les zigzags. Je frôle la bordure à droite, puis à gauche, puis à droite. Et c'est à ce moment-là que t'as une moto qui va pour te doubler. Sauf qu'au dernier moment, elle voit le terre-plein, elle freine, machin, ça klaxonne, ça t'engueule et tout, parce que oui, t'es une merde, tu sais pas conduire. Mais en même temps, voilà, c'est interdit de doubler. Mais c'est pas de ta faute, enfin c'est pas de leur faute à eux non plus. S'ils ont envie de doubler, ils doublent quand même. C'est n'importe quoi. Attends, je vais ralentir pour lire ton message parce qu'il est quand même assez long. Moi, m'apaise, je fais... Alors, pour m'apaiser, je suppose, une petite sieste en même temps. Bon, je... Que dès que je... Veille, je suis à destination et mon GPS me dit noter. C'est vraiment bien que ça. Si t'es tout. Ouais, en gros, tu roules en Tesla, quoi. À 400 mètres, tournez à gauche. En fait, c'est pas toi qui conduis, c'est la voiture. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. J'ai pas assez de thunes pour ça, moi. Moi, je gagne pas de Twitch money ou de YouTube money comme ceux qui roulent en Tesla. Moi, j'ai pas tout ça, moi. Vous êtes pas assez fidèles pour ça. Ça marche pas bien. On va faire ça en solo. On va rester assez sur la lancée. J'ai pas assez de viewers et puis du coup j'ai pas assez risque pour ça. Bah quoi, c'est vrai. Ça me plairait bien de faire de Twitch mon métier aussi, mais c'est plus compliqué qu'on ne le pense, surtout pour se lancer, quoi. Quand on débute, on n'est rien, il n'y a personne, il se passe pas grand chose, les pneus qui glissent. Ah, puis là, comme je vois les rétros, du coup, je sais ce qui se passe derrière. À
Ah, c'est chaud parce que du coup, je sais quand les pneus ils glissent encore plus facilement qu'avec une manette maintenant et. Et du coup, là, je peux anticiper, je peux réagir en conséquence. Je me suis trompé de pédale. On rigole pas, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait rentrer dedans. Par contre, la marche arrière... Merde, j'ai passé la sixième. Oh la vache, quand ça glisse, c'est horrible. C'est ça. Ça va être chaud pour atteindre la rupture avec ma voiture. Mais c'est vrai, genre si je prends trop l'habitude de jouer avec le volant et tout, je vais vouloir faire la main avec ma voiture et ça va pas être cool. On remonte dans la course, on remonte dans le classement. Faut que j'arrive à rattraper ces trois-là. Ah mais non, mais viens pas te mettre devant moi pour freiner, toi. Oh, mais quel trou de balle, ce drive-atar. Ouais, bah il a pas fait que l'arrière là, je pense. Bah ils roulent tellement tous plus vite que moi. En même temps, ils ont pas les mêmes voitures, hein. Moi je roule en Clio. Ah, je t'ai pas vu, Pyro, j'ai pas vu où est-ce que t'étais, qui t'étais. Ah, c'est toi qui m'en fait dedans, là, non? Ah non, ça doit être Katsudi. Ah, j'allais prendre un bon virage, là, pour doubler Killarm, mais non. Buffet Square. Ah oui, c'est vrai! Hop. Qu'est-ce que tu dis de ça?
rattraper, ils ont plus de vitesse. Je peux l'empêcher de doubler? Ouais, je vais l'empêcher de doubler comme ça. Tu me doubleras pas! Ok. Salut Chance! Comment va? Ouais, le volant, bah après je sais pas, j'ai pas testé le tien, mais il a une précision de ouf. La moindre rotation que je fais, ça retranscrit direct dans le jeu. Mon dieu moustique, je vise la même GC que toi. C'est quoi GC? C'est sûr pour tourner, ouais, mais non, ça, moi je fais pas ça. Graphic card. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu veux dire ma 2080 super. Bah en vrai, j'aimerais bien m'acheter la 3090, mais ça coûte trop cher. Et puis de toute façon, j'ai aucun intérêt pour l'instant. Ouais, pour l'instant, elle fonctionne très très bien. Franchement, elle marche bien. Après, le souci que tu vas rencontrer, c'est la disponibilité produit, quoi. On va dire qu'elle est pas très disponible en ce moment, comme un peu toutes les autres. Ouais, par contre, je vais aller ouvrir les fenêtres parce qu'avec le soleil, il commence à faire super chaud. Je reviens dans quelques instants. Hop là! Voilà, j'espère que ça va pas me plomber le réseau. J'ai l'impression que si. Le souci que j'ai, c'est que j'ai le téléphone en fait qui est sur la fenêtre. Comme c'est une fenêtre de toit, du coup, bah elle bascule. Et quand je bascule, du coup, ça me fait perdre le réseau avec le téléphone et ça me réduit le débit. Je vais remettre ça correctement. Hop! Ah, c'est mieux, là. C'est mieux! Voilà, bon, j'espère sincèrement que, après mon déménagement, quand j'aurai déménagé, j'aurai enfin la fibre. Parce que j'en peux plus, là, j'en ai marre. La fibre, là, je l'attends avec impatience depuis je sais pas combien de temps, ça fait des années que je l'attends. Des années que mon opérateur me dit « Oui, vous allez l'avoir, oui, on va vous faire, machin, on va vous faire les trucs et tout. » Ouais, sauf que non, il se passe jamais rien. À chaque fois, je me fais entuber. Et du coup, Chance, tu viens jouer ? Oh, le coup de volant. Je croyais qu'il allait tourner. Parce que les Quattro, elles sont pas faites pour le jeu. C'est plus des cartes qui sont faites pour... comment ça s'appelle? Pour faire du rendu 3D. C'est pour du travail en fait, les Quattro. C'est pas vraiment... elles sont pas optimisées pour le gaming. Après, oui, ça peut peut-être passer, mais
Si dans les spécifications de jeu, on parle jamais des quattro, c'est qu'il y a une raison. Je vais voir s'il n'y a pas une autre petite voiture qui pourrait être pas mal. Genre dans ces deux catégories-là. Ah. 16 460. Ouais, mais c'est des spéciales pour bosser, quoi. C'est pour faire des gros traitements 3D, logiciels professionnels et tout. C'est des trucs violents, quoi. Là, vous devez la reconnaître normalement. Aglia. 105E, là. De cette couleur-là, comme ça, celle-là, normalement, vous devrez la reconnaître avec le toit blanc. Si vous avez déjà regardé Harry Potter, vous avez compris. Pour moi, sur SolidWorks, par exemple, pas spécialement. SolidWorks, en soi, si c'est juste pour faire une pièce avec un petit assemblage de 5 pièces, ça vaut pas le coup. Par contre, si c'est pour faire des rendus 3D ultra sophistiqués avec des milliards de pièces qui s'assemblent, avec des effets de mouvement et tout, des contrôles de résistance mécanique avec effets visuels et tout, ouais, là tu peux taper dans ces cartes graphiques là, ça commence un petit peu à donner, quoi. Un tracteur blindé. Quoi je pourrais... La pile trident, c'est pas mal ça. Renault Alpine, la A110. J'ai roulé un moment avec dans le jeu, elle est plutôt pas mal, hein. Franchement, elle roule plutôt bien. Oh, il y a tellement de voitures. Je sais plus où donner de la tête. Oh bah tiens. Elle me fait penser un petit peu à la Fiat 500, celle-là. Renault Mégane, ça pourrait être pas mal. Il va falloir que je m'entraîne avec elle. Et que je revoie un petit peu ma façon de piloter. C'est vraiment bizarre parce que ça n'a strictement rien à voir avec la manette. Genre, la rotation des roues n'est pas du tout la même. Genre, la manette, quand la manette est verrouillée centre, les roues, elles sont droites. Alors que là, même si je bloque le volant droit, les roues, elles tournent quand même. Alors du coup, ça n'a plus rien à voir avec... Et donc, par que... On teste des trucs. Un camion aussi, c'est pas mal, rouler avec un camion. Non, je sais pas. Bon, peut-être pas dans cette catégorie, alors on va peut-être passer à la supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Commune. Corvette Z06. Ça peut être pas mal, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça pousse au cul. Infiniti, Jaguar, James Bond édition, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lotus. J'ai pas la Lotus Elise.
Peut-être pas de cette catégorie. Maserati, Mercedes, AMG, Mercedes-Benz. Il faut que je regarde. Merde. Qu'est-ce qu'on a en Mercedes ici? Mercedes M. Même Mercedes-Benz. Alors, voyons voir. On va essayer de trouver la même. Ah bah, je vais pas y l'avoir. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je pensais que je pourrais trouver la même. Même que celle de mon père, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Elle est pas du tout dans le jeu. Je vais tester ça. Avec le volant. Ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Normalement, je suis censé passer en séquentiel. Ouais, parce qu'il fait les bruits de boîte de vitesse, du coup c'est super chiant. Wow, c'est chaud, c'est chaud. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Tire sur le volant. Je crois qu'on est passé au-dessus de la chance Twitch. J'ai un doute. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la route? Ah, ça c'est plus trop la route là. Ok. Ah d'accord, je... ok. Je suis un petit peu redescendu d'un étage. Thank you.
Vous avez atteint votre destination. Il faut avoir des bras pour tenir la cadence avec une voiture pareille. Par contre, du coup, la pédale d'embrayage, c'est un peu chaud à juger le moment où ça relâche, où ça prend, où ça commence à gripper, où ça commence à emmener. Pourquoi je suis en marche arrière ? Ah bah c'est celle-là. C'est cette voiture-là. Ah, à peu près pareil. À peu près le même modèle. En moins cabossé. Bon ça j'avoue c'est de ma faute. J'allais le changer avec le levier de vitesse, mais non. Faut que j'utilise les palettes. Bah voilà, Pyro, t'es plus level 18. Une petite course. Ouais, je vais faire une petite course. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, genre ça? On pourrait faire ça, genre dans les chemins de terre et tout. Pour tester un petit peu, voir la réactivité du volant. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Oh, ce bruit que ça a fait. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Wow. Ok, on repasse en direct. Et effectivement, petit problème de connectivité avec le téléphone. J'étais passé en réseau H+, au lieu de la 5G. Forcément, ça marche moins bien quand c'est comme ça. Donc voilà, de retour sur les écrans. Hop. Du coup, ça m'a envoyé valdinguer dans le jeu. Donc on repart. Ah, j'ai...
J'espère que cette fois le réseau du téléphone il va arrêter de faire ces trucs là. Le truc que je comprends pas, c'est que c'est tranquille, c'est en 5G, ça fonctionne nickel. Et que d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça passe en H+, et t'as plus de débit. Je vais changer de voiture parce que j'ai trop envie d'utiliser le levier de vitesse, à chaque fois je me fais niquer. Oh, il y en a un. Il me voit prendre ça. Il va être content. Mais non, t'inquiète, Pyro, pas de panique, tout va bien. Et salut, Dat Gopnik. Bienvenue sur le live, comment ça va? À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Oh, le freinage. Oh, le freinage sur cette voiture. Bah écoute, moi ça va, entre deux pertes de connexion internet. À 400 mètres, tournez à droite. Moi nickel, hein, voilà, je. je fais aller. Tournez à droite. C'est pas pratique de perdre la connexion en plein live. Là, je suis en quatrième. Du coup, comme tu peux voir, je suis en train de jouer à Forza et j'en profite pour faire. Un petit test matériel. Ah voilà, c'est une nouveauté du coup pour le jeu. Volant, pédalier, levier de vitesse. On se fait plaisir. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Là, j'ai tout le bureau qui tremble. La vache! Vous avez atteint votre destination. Le volant à date? Le volant à date, c'est-à-dire. Hop. Solo. Hop, par contre on va pas prendre cette voiture là, on va prendre... Merde, il me propose que ça. Non. Ouais, tu me proposes pas que ça. Ah, changer de voiture. Ok, c'est vrai que si je change pas de voiture, il va me garder. Comment est le volant? Bah écoute, jusqu'à présent, plutôt bien. Ça réagit plutôt pas mal. Bon, il y a quelques petits trucs voilà, qui sont conformes aux critiques qui ont été faites sur le volant. Mais jusqu'à présent, moi, personnellement, ça m'a pas plus gêné que ça. Donc, étant donné que c'est le vrai premier volant en fait que j'ai pour la course automobile. Moi j'ai pas de problème particulier avec. J'ai les engrenages à l'intérieur, ils sautent pas, ça vibre, c'est assez représentatif de ce que ça roule. Niveau qualité-prix, c'est par rapport à son prix d'origine, étant donné que ça c'était un pack avec levier. Pédalier volant, le truc complet, le tout ensemble sur j'ai vu sur Amazon qui était déjà le pack complet, je veux dire moins cher que le volant tout court seul d'origine, plutôt pas mal voilà, dans la gamme de prix Logitech actuellement là, je dirais que c'est plutôt pas mal. Bon, ça vaut pas un Thrustmaster TS voilà, racer
à 800 €, mais franchement, c'est pour un début, c'est vraiment déjà pas mal. Moi, franchement, j'apprécie énormément. Alors, sub. Subaru. Donc ouais, au final, ouais, le volant propre. Franchement, il réagit bien. En tout cas, les sensations qu'il me procure, on va dire qu'elles sont quasiment similaires à ce que je retrouve sur ma voiture. Genre là, j'ai eu l'occasion avec une traction de glisser, si tu veux, dans un virage. La sensation de glissement au niveau du volant est exactement la même. Genre si tu prenais ta propre voiture à toi et que tu prenais un rond-point trop rapidement, que tu commençais à glisser, la sensation c'est exactement la même. Niveau réalisme, c'est bluffant. Après, je me suis jamais amusé à percuter d'autres véhicules en vrai, donc de ce côté là je pourrais pas te dire si c'est réaliste ou pas, mais ça me semble quand même pas mal réaliste, hein. Ça représente bien ce que... Les sensations, elles sont quand même pas mal, franchement. Il y en a qui disent que c'est un peu faible, que les moteurs ils sont faiblards, que c'est pas oufissime. Pour quelqu'un qui a pas l'habitude du retour de force comme ça en jeu, je peux te dire que ça tire un peu dans les bras quand même. Moi j'apprécie, franchement j'apprécie le volant, il est plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu de volant, il n'aura jamais utilisé la gamme Thrustmaster à 800 balles, juste le volant, attention. Et puis qui voudrait s'initier un petit peu dans la conduite avec un volant. Ouais, je dirais qu'il est très bien, franchement, il est très très bien. Voilà, après, il faut s'habituer au style de conduite avec le volant. Aïe, il faut s'habituer. Parce que passer de la manette au volant, c'est très différent, hein, ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est complètement ça. Donc carrément, dans le jeu, si t'es un dieu avec la manette, bah dis-toi qu'avec un volant, tu deviens une grosse quiche. Faut complètement réapprendre à conduire. Ah. Mais tu vois, par exemple, je pensais genre un simulateur de conduite pour apprendre à conduire. Le volant, il est parfait, hein. Franchement, il est impeccable. Là, il n'y a rien à redire de ce côté-là, hein. les sensations. Hein. Après, c'est dans le jeu, c'est comment ça va être codé dans le jeu pour avoir le retour des sensations. Voilà, après, c'est plus une question de programmation au niveau du jeu. Mais sinon, ouais, le volant, moi, je suis scotché, quoi. Au niveau des sensations, c'est assez propre. Il y a tout à l'heure, je roulais tranquille, je me suis fait percuter par un bot. J'ai le volant qui a donné un à-coup, mais j'étais surpris parce que j'ai tellement eu la sensation d'avoir un... Comment dire? Comme si j'étais vraiment dans ma propre voiture en train de me faire percuter sur le côté, quoi. Tellement que ça avait l'air réaliste. Et franchement, pas mal. J'aurais eu un Thrustmaster TS entre les mains à ce moment-là. Je pense que j'avais plus de bras, le volant il m'arrachait les bras. Parce que les moteurs des Thrustmaster, le retour de force, ils sont beaucoup plus puissants. Hein. J'ai eu l'occasion de tester sur Assetto Corsa. Il y a des moments, tu te prends un mur, tu lâches le volant, hein, tu le tiens pas, hein, tu t'amuses pas à le retenir. Hein. Là tu peux te permettre.
Après, le levier de vitesse, il fonctionne très bien. Il y a aucun souci. Les vitesses, ça se passe tranquillement. C'est propre, c'est fluide. Il y a juste par moment, dans le feu de l'action, on a vite fait de se gourer de rapport. De mettre la quatrième au lieu de la deuxième quand on va trop vite. Et sinon, dans l'ensemble, pas mal. En plus, il est facile à brancher. Voilà, il y a pas énorme de câbles. Il y a le câble pour brancher le levier de vitesse au volant, le pédalier au volant, et puis après, et merde. Ah. Et puis après, c'est le volant à l'ordinateur à part USB pour l'interface manette. Et puis après, c'est le volant à une prise d'alimentation pour les moteurs, les deux moteurs qui sont cachés. Ah non, non, il y a l'embrayage, il y a les trois pédales. Arrivé, et j'ai appuyé sur une touche en fait exprès. Il y a bien les trois pédales. Et je joue avec l'embrayage. La chance, reviens! Faut juste faire gaffe, genre dans le cas où si quelqu'un veut par exemple se procurer un G923, faut faire gaffe au design, au niveau des photos, parce que le G923 pour PS4, PS5 et pour Xbox 360, Xbox One ou X-Series, il porte exactement le même nom en fait. C'est G923. Il n'y a pas de différence entre les deux au niveau du nom, donc faut faire gaffe. Pour celui qui veut s'en procurer un, faut faire super attention, genre bien regarder s'il est compatible PC Xbox ou PC PS4. Ah, détrompe-toi, hein. G923 égale PC et... Non, c'est pas pareil, tu te trompes. C'est le G, là, ce que tu es en train de dire, c'est pas le 923, c'est le 920. C'est pas la même chose. Le 923, c'est les deux qui portent exactement le même nom. Je t'invite à regarder directement sur le site de Logitech, tu verras que c'est pas la même chose. C'est le G29 pour PS4 PC, le G920 pour PC Xbox, et le G923 il fait les deux. Il y a les deux modèles qui portent le même nom. C'est pour ça que j'ai dit, faut pas se tromper, genre si par exemple tu veux passer une commande ou un truc comme ça, faut pas que tu te gourres quoi. Faut que je revoie mon freinage. Par contre, la pédale de frein, faut appuyer. Hein. Et ils ont mis un ressort dedans, là. Je peux te dire que c'est comme une vraie pédale. C'est pas tout mou, quoi. Plus t'appuies, plus c'est dur. Comme une vraie pédale de frein, quoi. T'as vraiment la sensation de freiner, quoi. La pédale de frein, non, tu peux pas l'ajuster. C'est ancré, c'est le système qui fait comme ça de base. Tu peux pas l'ajuster. Mais c'est pas désagréable. Moi, personnellement, j'ai ma pédale de frein, elle est aussi dure déjà sur ma voiture de base. Donc, moi, ça me change pas. Par contre, si t'as une voiture avec assistance au freinage. Et que ta pédale elle est toute molle, ça va te faire tout drôle, il va falloir appuyer.
Ah bah moi, tu vois, j'en ai aucune. Et ma première voiture, et je roule toujours avec. J'ai jamais changé. Et je compte pas changer... Je compte pas changer tout court, en fait. J'espère que je vais pouvoir la garder aussi longtemps que possible. Ah ouais? La tienne, elle est plus bien. Ah, t'en as plus. Ah d'accord, ok. Ouais, bah ça explique. Ça explique pourquoi tu veux t'en racheter une. Bon, dans ce cas-là, je te propose pas de t'acheter le G923 parce que je sais pas si ça va beaucoup te déplacer, tu vois. Je sais pas si tu vas aller loin avec. Oh, qui a mis ça là? Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle tourne la voiture? Oh, oh, oh. Planning. Juste avant la fin en plus. J'aurais eu les boules. Oh. Par contre, ouais, faut avoir des bras. Le retour de force à chaque fois. Ah bah oui, la boîte de vitesse. À la ferraille, ensuite j'ai acheté l'infini. Projet qui malheureusement est abandonné. LOL! Ah ouais! On n'a pas les mêmes voitures. On n'a pas du tout les mêmes voitures. Toi, tu veux rouler tranquille, pépouze. C'est plus sympa d'avoir un volant qu'une manette. Hein. Et ben avance, toi. Récent peut-être. Ah ouais, comme quoi, une Bugatti Veyron. Tu pars sur quoi du coup? Je peux pas regarder à droite à gauche, hein. J'ai pas de casque VR, j'ai pas de joystick qui me permet de... Oh, sale prix. Tiens, hop, pas en tête à queue. On met où? Céder le passage.
Roadster Turbo 2019-2020 peut-être. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être la bonne voiture. Après moi je suis plus ancienne, moi je suis plus vieille voiture. Je préfère les voitures d'époque, les voitures classiques. J'en ai aucune mais c'est pas grave, mais je préfère. Bon, les voitures, je les collectionne dans les jeux. Non, irréel. Tant que j'en ai une qui m'emmène d'un point A à un point B, le reste... Le radar, il m'a même pas capté tellement que je roule doucement. Ah bah ça après c'est le risque. Impossible de rejoindre la session. Comme ça c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que là je vais lancer le Goliath. De Goliath que je vais faire de toute manière en solo. Par contre, je vais changer de voiture et on va prendre. Veloster. Alors attends. Merde. Changer de voiture. Alors attends, est-ce qu'il y a ça là-dedans? Est-ce que j'ai ça moi? Il n'y a pas Veloster. Comment je trompe? Hyundai là. Eh ben, c'est celle-là. 2019. Et bon, on va partir là-dessus. De toute façon, il n'y a que ça. Ah. Hop, on va un petit coup. C'est parti. Ça roule bien. Ah, celle-là, elle a pas les palettes au volant. Aïe. Ah, mais il me pousse en plus. Ah mais freine pas. Ah, ça a l'air de ça a l'air de bien se conduire hein. C'est plutôt agréable. Voilà, on les esquive. Les esquiver dans le jeu, c'est le plus important. Après, une fois qu'on est devant, ça roule tranquille. Ah là, impeccable, on a la tête. C'est dommage que la main vienne pas ce genre elle gratte le nez là comme moi je suis en train de faire. Quand je passe les vitesses, j'ai l'impression que la main elle suit la mienne.
Il y a une sixième ? Ah oui, il y a une sixième. Ça glisse quand même. Un peu, je me tapais la barrière. Les petits sauts comme ça sur le volant, tu le sens bien. Non, 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 sors pas de là. Ah, ça roule plutôt bien, franchement c'est propre. Ah, j'aime bien comme voiture, c'est sympa. Ça se laisse apprécier. Cette vitesse double embrayage bouton, ah ouais quand même, ah, elle a l'air pas mal. Après je pense qu'en vrai ça doit être complètement différent que bah là dans le jeu du coup. En chauffant, Bluetooth, etc. Ouais, après, c'est du gadget, quoi. C'est du bonus. Moi, j'appelle ça de la fioriture inutile. Et c'est de la frime, quoi. Le Bluetooth dans une voiture. Comme le Wi-Fi dans une voiture. Comme toute l'assistance dans une voiture tout court, en fait. Ouais, moi je préfère les 5 portes, moi j'aime pas trop les 3 portes, je trouve ça un petit peu chiant le fait de devoir avancer le siège avant, le faire basculer pour faire monter les gens derrière. Je préfère les 5 portes, c'est mieux. Une porte côté conducteur, 2 portes côté passager. Ah, c'est une 4 portes alors. Waouh, c'est coup de volant. C'est 4 portes du coup, parce que en général quand on dit 3 portes, c'est 2 portes à l'avant et
Le coffre. Elle a pas de coffre en fait. Je sais pas si vous voyez le volant, les petits à-coups que ça donne là. Hein. C'est pas moi, hein. C'est le moteur. C'est pas moi qui tourne le volant comme ça, hein, qui donne des petits à-coups à la con. C'est le moteur qui fait ça. Hatch, trois portes. D'accord. Ah, ça doit être particulier. Là, ce qui me manquerait, là, c'est un petit casque vert, là, pour pouvoir tourner la tête et tout, regarder derrière, machin, voir un petit peu la voiture, comment qu'elle est. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est même si c'est pas tout à fait le même modèle et puis que bah, c'est pas irréel, mais dans un jeu, bah, ça se conduit très bien. Bah, ça, apparemment, ça tient bien les 200. Ça a l'air de plutôt bien rouler. Alors, normalement, ils ont fait en sorte d'avoir assez de réalisme par rapport aux voitures réelles, mais après, ça reste quand même un jeu. En tout cas, ouais, c'est ça qui manque, c'est les sensations physiques, tu vois, genre par rapport au corps, les vibrations, les amortisseurs, genre quand tu tournes, vois le corps qui part à droite, à gauche, comme ça, ça manque. Là, il faudrait un siège, tu sais, avec les suspensions qui te fait bouger, comme ça, qui te donne vraiment les sensations d'accélération, de freinage, de virage et tout. L'irrégularité de la route également. Là, ce serait le top. Après, voilà, faut être pété thune pour s'acheter un truc comme ça. J'ai vu, c'est plusieurs milliers. Hein. Bah, moi, je trouve. Bah, après, c'est le klaxon. Ah. Moi, je trouve qu'elle a une belle gueule. Je peux pas regarder sur le côté là, parce que j'ai pas de bouton pour regarder sur le. Sur le côté là, mais elle a une tronche qui est plutôt pas mal, j'aime bien aussi. Sur la cinquième et la sixième, par contre, elle manque de puissance. Après, bon, on est quand même au-delà de 200, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir, c'est qu'il faut déjà qu'elle tienne la route. À cette vitesse, faut qu'elle tienne. Elle a pas l'air de tenir grand chose. Un petit peu de mal quand même. Ça glisse beaucoup, on va dire.
Hop, ah voilà, petite course terminée. Waouh. Ah. Eh ben, je peux vous dire qu'il faut avoir l'habitude. Hein. Oh, oh, oh. Ah bah, le deuxième était à 10 secondes derrière moi. 10 secondes. À 0,001 près. Ouais, ça va, franchement, elle est propre. C'est pas mal. Par contre, on voit tout le temps le même côté, c'est un petit peu dommage. Ah, là, on voit l'autre côté. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a... On dirait qu'il y a trois portes, en fait, de ce côté-là. Enfin, il y a deux portes de ce côté-là, donc. Celle-là, je l'ai déjà. Hop! Et oui, c'est bien ça. Il y a bien une porte à gauche et deux portes à droite. Assez particulier, quand même. Ah ouais. Ok. Oui, il me reconnecte pas à chaque fois automatiquement. Reconnaître-moi automatiquement. Ah bah non, j'ai eu le problème de réseau juste à la course d'avant, donc c'est normal. Ça roule quand même vachement bien. Le fait d'avoir un volant, du coup, c'est vachement pratique au niveau de la précision. Au niveau de la précision de la direction, c'est vachement mieux qu'un joystick. Hein. Franchement, il n'y a pas à tortiller du derrière pour... Voilà quoi. J'ai l'impression que c'est mes bras qui apparaissent dans le jeu. Ah, couché. Et si on l'a testé, voir un petit peu en mode comme si on roulait normalement, quoi. Puis ça part. Franchement, ça roule super bien. Chapeau. Ah, les sensations avec le volant, c'est génial quoi. Moi qui pensais jouer à ce jeu uniquement à la manette et jamais pouvoir utiliser de volant, bah tiens, faut jamais dire jamais. Dommage que là le champ de vision il soit pas un peu plus large quand même, pour au moins avoir les rétros. Si je balle comme ça là. Ah bon, là je suis vraiment dedans là. Impeccable.
Ouais, les sensations, elles sont bien. Ce qui serait juste pas mal, c'est que le pédalier il soit dans l'autre sens, que les pédales soient vers le bas, comme ça, qu'on appuie comme ça. Et pas comme ça. Voilà, ça fait plus pédale genre de bus, de camion. Pas pareil, quoi. Tu sais qu'il y a un pédalier chez Thrustmaster où tu peux le mettre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Ça, je sais, j'ai vu. Je sais plus comment il s'appelle. Tu sais qu'on peut le mettre dans les deux sens, on peut choisir en fonction des préférences. Roule pas les Anglais, c'est dingue ça. J'espère que les limitations elles sont pas réellement comme ça chez eux parce que ben... oh, c'est long. La route elle est tellement large, chacune envie c'est de rouler à 110. Hein. Ça donne quoi 30? C'est quoi? C'est 30 quoi. Ah oh, c'est long. C'est très long. Très très long. J'ai tellement l'impression. Faire un petit tour d'autoroute pour voir ce qu'elle vaut en vitesse de pointe. C'est bien. Il n'y a pas de septième. C'est pour ça qu'il y avait une septième, mais non, il n'y a pas de septième. Je n'avais pas encore testé, mais on a pas. C'est dommage qu'on voit pas si bien que ça les compteurs en vrai. Ah si, quand ça s'allume, on voit bien.
Oh, je me fatigue à enrouler comme ça. J'ai l'impression d'avoir presque le même volant, sauf que moi j'ai une manette Xbox à la place du Hyundai. Bah oui! Forcément! C'est logique, non? Pas la même voiture! 273 km/h, c'est pas mal, hein? Là, avec les pseudos des gens, on voit plus rien. Si, ça y est. Ouais, je les vire, les pseudos, comme ça, là, parce qu'en vrai, ça me sert à rien. Allez, on va retenter, on va revenir avec notre petite voiture. On va retenter de rouler avec. Ça va être chaud patate. Réseau internet qui saute par moment, pas stable. Ah, quand il n'y a pas 6ème, du coup, si je passe à 6ème, ça reste en 5. Et je pensais que ça allait m'afficher une 6ème bonus, genre qui sortait de nulle part. Non, ça va, de ce côté-là, c'est plutôt bien fait. En ligne droite en soi, cette voiture là ça va, c'est plutôt dans les virages qu'il faudrait que je vois. Parce qu'elle est vachement lourde, elle a un transfert de masse qui est assez conséquent, qui est assez violent. Et sur le volant, je le sens tout de suite. Ça me fait tourner le volant à droite, à gauche. Pas lui qui ait une voiture qui arrive à ce moment-là. Ça marche vraiment pas du tout comme la manette. Hein. Attendez, faut que j'aille voir dans les paramètres parce que j'ai pas été voir du tout les commandes, paramètres des commandes avec le volant. Et freiner. Main. A. Pente. 3, 3, 2. Ça vient, c'est mal. Rien touché. Ah, vite. J'ai un fichier vite. Or.
Ouais. On n'a pas la l'angle de rotation du volant. Cache. Start. En tour position. En non sur voiture. Indicateur de vitesse, non. Carte. Voilà. On enlève le compteur sur le côté là. C'est pas évident. Ça réagit pas du tout pareil qu'avec une manette. Oh, je suis trop deg. C'est même pire en fait. C'est encore plus incontrôlable qu'avec une manette. C'est juste horrible. Oh, c'est horrible. Je peux pas, c'est horrible. Ah, je la gérais super bien avec la manette, mais avec le volant. Juste horrible, J'arrive même pas à redresser proprement en vrai. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah,
Ça devient tellement incontrôlable. Ah là là, je suis trop dégoûté. Il faut que je modifie tous les réglages de la voiture pour l'adapter au volant parce que ça va pas le faire. Sinon, comme ça, en normal, on est bien. Ah, je suis vraiment dégoûté là que du coup elles partent en sucette facilement comme ça. J'avais oublié que le volant était à droite. Donc il y a plus de matière du côté gauche. Fasse attention à ça. Ça fait deux fois quand même. Vous avez vu les accours, ça le fait tout seul hein. Non, en vrai si, en vrai, faudrait que je fasse. Surtout genre pour quand ma copine elle va rentrer, que je prenne genre sa voiture. Pas vraiment la même, mais c'est un équivalent. Il faudrait que je lui fasse tester. Il faudrait que je lui fasse essayer. C'est celle-là en fait. Voilà, j'ai exactement la voiture que je cherche, celle-là. Ah non, pas tout à fait. Non, ça c'est une trois portes. Non, c'est pas celle-là alors. Non, je vais pas retourner sur l'autoroute parce que ouais, ça ne rapportera rien. À cette vitesse là. Oh, je suis déconnecté. C'est étonnant ça. Alors, une petite course, est-ce qu'il y a une course sur la route? Petite course sur la route pour pouvoir tester un peu en rouler avec cette voiture. Va pas y avoir, va falloir que je sorte la carte. Hein. La carte. Oh tiens, il y a celle-là qui a l'air pas mal. À 400 mètres, tournez à gauche. Hop. Et ouais, level 30. Et vas-y, tourner à gauche, mais attends. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 400 mètres, tournez à gauche. Ah, cette fois, faut pas que je loupe la sortie. À 400 mètres, tournez à droite.
Ah mais il voulait me faire passer par les chemins, c'est pour ça qu'il me dit de tourner à gauche. Tournez à droite. J'avais pas vu sur le tableau de bord, il te dit même quand est-ce qu'il faut que tu passes ta vitesse. Une petite flèche qui apparaît à côté du 46 Fahrenheit. Vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. Ok, c'est parti. Oh, j'ai tout le dos qui vient de craquer. Ça a fait cric. C'est parti. Pourquoi il a ralenti ? Quand même. Ah, j'étais juste bus et non, ça touche. Par contre, pour rattraper ça quand ça glisse, avec un volant, c'est chaud. Vous avez vu qu'il y a une voiture sur la droite. Ralenti.
lui, il faut que je le bouffe. Faut que je le bouffe. Voilà. Les câbles. Ça, ça me permet en plus de récupérer des récompenses, de monter de niveau et tout. En tout cas, c'est pas mal. Franchement, moi, je suis vraiment pas déçu. Ça fonctionne super bien. C'est propre, c'est fluide, c'est vibrant. C'est fonctionnel. Ça, c'est... Même, n'empêche, juste, regardez, les tout petits mouvements, quoi. Tout petit mouvement, ils sont très légers sur le volant et pourtant le jeu les capte. Bon, ça par contre c'est un peu dommage. Où le jeu lui suive pas. Au moins ça permet d'avoir l'heure. Et apparemment il est 13h30 et moi j'ai 18h. Je crois qu'il va falloir qu'ils revoient leur leur horloge. Début de la manche 1. Ah ouais? Marquez des points en radar. Prenez le virage serré à gauche. Ah. Manche 1 terminée. Passez à la manche 2. Marquez des points dans la zone de vitesse. On va faire confiance aux autres, ils ont des voitures rapides, ils vont gagner plein de points. On n'est pas bien, là, une petite voiture, tranquillou pépère, en train de conduire ça tranquillement. Voilà, on roule à je sais pas combien, à 120 miles. Le temps que j'arrive à la zone de vitesse. Oh. Ah, c'est sur terre en plus. J'ai pas du tout une voiture pour le tout terrain. Presque 127. Ah, j'ai quelqu'un qui m'appelle derrière. J'ai entendu un you. Attendez. Pardon? Ouais, je l'ai encore oublié, mais ça a pas gêné, j'en ai pas eu besoin. Non, mais non, mais non. Oui. Du monde qui rentre. Qu'est-ce que tu dis ?
Bah, Michael Schumacher, là, voilà, tu vois, je suis avec ta voiture en plus. Je sais pas si tu. Elle est pas tout à fait identique, mais. Tu l'as reconnue. Ah, j'ai encore été déconnecté, voilà, je suis tout le temps vous déconnecté. Vous avez atteint votre destination. Je peux même pas faire le horizon. Le Forza ton live tranquille. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai déjà dit. Pierre, on fait la session avec les seuls. Tu m'as même demandé où est-ce qu'on allait foutre tout ça. Oui? 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 Ok, alors attendez, moi je suis où? Je suis où? Je suis pas du tout où je voulais être. Alors, le volant, il fait sa petite life, il fait ses trucs. Un petit peu ce qu'il a envie, normalement. Du coup, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quelques petits trucs que je voudrais faire et quelques petits trucs que je voudrais tester. Et, je peux pas le faire. Je peux pas le faire en live. Faut que je. Internet, faut que je. Faut que je fasse plein de trucs. Donc du coup, je vais vous abandonner. Moi en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclaté de me voir galérer avec le volant. Et oui, c'est déjà fini. Mais c'est comme ça. Toute bonne chose a une fin. Voilà, en tout cas, bon. Si jamais pour un premier volant vous souhaitez vous faire plaisir, bah celui-là, franchement, il est vraiment pas mal, il fonctionne bien. Il a ce qu'il faut en fait. Surtout pour Forza, c'est largement suffisant, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Même si j'ai déjà testé le TS de Thrustmaster sur Assetto Corsa et qu'il était vachement mieux. En même temps, sur Assetto Corsa, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. En tout cas, voilà. Alors, j'espère que ce petit live vous a plu. Ah, j'espère que pour le prochain, du coup, on se retrouvera très nombreux. Il y a très forte chance que ce soit sur Valheim, comme j'avais dit hier. Mais comme j'étais pas sûr, du coup, entre les deux, bah, il y a eu Forza. Donc voilà, et je vous dis donc, je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée, une très bonne soirée. Merci d'avoir soutenu le live, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.